Il faut que je prenne une photo pour mon Instagram. Diana, Diana, on peut aussi? Oui, les filles, faites un bisou et cheese. Ok. Diana, pendant cette fête, peut-on s'amuser comme avant? Comme les Pop-Up Girls Bunny? Knopa, encore ça? Ah, tu commences à nous fatiguer avec ça. Knopa, c'est une fête. Nous y allons tous, non pas pour régler nos différends, mais pour s'amuser. Knopa, tu recommences encore? Je vous l'ai dit, elle fait une fixation sur Diana. On est tous de bonne humeur, mais elle nous saoule avec son amitié. Maria, n'oublie pas, elles sont meilleures amies, hein. Les filles, faites enfin la paix. Oui, il est grand temps de jeter tous ces vêtements noirs et de mettre fin à cette rébellion. Knopa, Diana t'a écouté. Maintenant, allons nous amuser. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Les gars, likez, abonnez-vous à la chaîne. On part à la fête de Ryan. Au revoir. Mascotte, dépêche-toi. Eh bien, il est temps de dire au revoir à ces vêtements. Comment ça? Je dois renouveler ma garde-robe. Et que vas-tu faire de tout ça? Je vais les donner. Tu vas donner tout ça à des étudiants? Oui, je vais faire un poste. Il y aura une foule ici. Les filles, du calme. Ne vous battez pas pour des fringues. Elles ne pensent qu'aux vêtements. Alors, qui est la première dans la file? Zouza, entre. Ok, Zouza, tu es de petite taille et tu es menue. Alors, c'est pourquoi je te donne ces deux hauts. Merci, Diana. Est-ce que je peux aussi avoir ce haut? Zouza, pour le moment, c'est tout. Merci, Diana. Wow, c'est cool! Diana, tu es très différente aujourd'hui. Tu as décidé de faire plaisir. Mais je ne veux plus voir de rose et de bleu ici. Je veux tout donner. Suivante. Alors? Donc, Zenia, je vais te donner ce t-shirt et ce body. Merci. Quelle générosité! Elles sont toutes si heureuses. Merci Diana, tu es si gentille. Reste comme ça. Ah les gars, likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir. Oh les gars, likez, abonnez-vous à la chaîne et attendez nos prochains épisodes. Au revoir. Les gars, je peux rester ici. C'est que les Bunny et moi allons nous entraîner après. Assieds-toi. Eh bien, regarde les vrais gars jouer. Hein. Pendant que d'autres sautent dans des costumes de lapin. Les vrais gars, les vrais mecs. Je suis la mascotte, un membre important de l'équipe. Salut les filles. Diana, pourquoi es-tu si triste? Oh Diana, c'est quoi ce look tout sage? T'as décidé de devenir mignonne? Les filles, si vous saviez, c'est ma mère. Elle a lu mon journal intime. Oh, comment? Mais pourquoi elle a fait ça? Ce n'est pas bien, c'est quelque chose de personnel. Elle a confondu mon journal intime avec le cahier des devoirs. C'est pour ça que je suis si mignonne aujourd'hui. Parce que ma mère a dit, Diana, plus de jupes courtes, plus de jupes serrées, et plus de cheveux lâchés. Oh my god, Diana, elle sait pour ton tatouage? Oui, et pas seulement pour le tatouage. Lisez la suite. Eh ben, cher journal intime, aujourd'hui, nous avons séché les deux dernières heures de cours. Eh ben... Elle sait tout ça. Quoi? Eh bien, Diana, et qu'est-ce que ta mère a dit? Marie, qu'est-ce que tu crois? Elle m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de fête que les études. Eh ben, Diana... Les filles, ce n'est pas tout. Ma mère viendra me récupérer après l'école. Oui, Diana, tu as un gros problème. Ok, les filles, allons-y. Diana, allez, dis-moi ce que ta mère a lu dans ton journal intime. Comment tu sais ça? Diana, toute l'école le sait. Diana?
Tu sais quoi, Nastia? Je ne veux pas étudier comme ça. Me faire surveiller partout, ce n'est pas bien. Diana, je te cherchais. Viens dans mon bureau. Ta mère m'a demandé d'étudier les maths avec toi. Diana est du fils sage. Ok, Diana. Au revoir. Bonne chance. Diana, au revoir. Au revoir, les garçons. Oh, mais pourquoi? J'ai un gros problème, c'est clair. Des cours de rattrapage et encore des cours de rattrapage. Voilà, professeur Mac. Je peux y aller? Oui, tu peux. Mais si je vérifie qu'il y a une erreur, alors on va devoir refaire les tests. D'accord, professeur Mac. Diana, tu devrais changer. T'es une bonne fille. Professeur Mac, au revoir. Yonona, Diana vient de quitter la classe. Comme vous me l'avez demandé, je vous dis tout. S'il y a quelque chose, je vous appellerai. Pourquoi j'ai fait ce journal intime? Est-ce que ça veut dire que je vais devoir être une fille sage maintenant? Eh bien, je ne le serai pas. Les gars, likez, abonnez-vous à la chaîne et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir. Alors les gars, prêts à reprendre l'entraînement? Oui, Diana. Recommençons depuis le début. Les bunnies sont les meilleurs. Les bunnies vont tout gagner. Bien, maintenant, passons à la pratique. Victoire! Les bunnies sont les meilleurs. Les bunnies vont tout gagner. Les filles, encore une fois. Répétons le slogan. 1, 2, 3. Les bunnies sont les meilleurs. Les bunnies vont tout gagner. Victoire! Les bunnies sont les meilleurs. Regardez. Quoi? Ils ont décidé de reprendre le basket? On devrait quand même finir notre entraînement. Les bunnies vont tout gagner. Dégagez les filles. C'est notre tour de s'entraîner. Sortez, nous devons nous changer. Nous sommes pudiques. 1, 2, 3, victoire. On vient juste de commencer notre entraînement. Les garçons, nous avons encore 30 minutes d'entraînement. Et les basketteurs, pourquoi êtes-vous aussi insolents? Écoutez, c'est notre heure pour l'entraînement. Vous avez commencé en retard et votre temps est déjà écoulé. Ok les bunnies, allons-y. Alors les filles, et si on allait faire du shopping? Eh bien Marie, pourquoi pas? Alors les filles, quel est le slogan du jour? La tête haute! Allez, c'est parti! Merci Mia, super shopping! Salut Mia! C'était un plaisir. Je déteste ces bunnies, mais là, elles ont dépensé un max d'argent. Bien sûr, nous sommes des rebelles roses. Mais n'oublions pas que nous sommes des pom-pom girls. Et... c'est le principal. Donc, mettons nos uniformes et allons nous entraîner. Pour l'instant, on aime être... des rebelles en rose. Likez, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À la prochaine et au revoir. On va se changer et s'entraîner. Au revoir. Les gars, est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé avec le super pouvoir de nos filles? Alors, collectons 50 000 gemmes et écrivez dans les commentaires feu, eau, terre ou air. Et n'oubliez pas de nous suivre. Les gars, vous avez encore raté. Est-ce que vous cherchez à m'énerver ou quoi? Non, professeur Mike. Les gars, tous les autres ont réussi le test. Mais vous, ma classe de seconde. Professeur Mike, combien de temps avons-nous pour le repasser? Oui, professeur Mike, nous allons bien réviser et le réussir. Combien de temps vous avez? Beaucoup, jusqu'à demain. Aujourd'hui, on révise et demain, on repasse le test. Bonjour, professeur Mike. On doit vous parler. Professeur Mike, vous saviez qu'il y a des reines dans cette école? Ouais, et sans couronne. Vous devriez en parler avec vos élèves. Parce que des reines doivent avoir des couronnes. Et elles
ne se sont pas gênées. Ok, les filles. Et qui sont ces reines sans couronne? Dites-moi. Professeur Mike, je suis une reine et j'ai une couronne. Vous voyez, professeur Mike, vous voyez? Diana se prend pour une reine. Zouza. Groucha, retournons en classe. Bien, Diana, viens au tableau. On va vérifier tes connaissances royales. Hein? Quoi, professeur Mike? Une reine ne doit pas venir au tableau. Oh si, viens. Comment les organismes unicellulaires se reproduisent-ils? Alors? Je ne sais pas, professeur Mike. J'ai oublié. Question suivante. Question suivante. Ok, quel est le plus haut sommet du monde? Professeur Mike, je sais. L'Everest. Ok, et quel est le petit oiseau du monde? Professeur Mike, je sais, le colibri. Professeur Mike, vous lui posez des questions de niveau primaire. C'est bon, professeur Mike, je peux y aller? Oui, Diana, mais enlève cette couronne. J'ai répondu à vos questions, donc je suis une reine. Exactement, je suis une reine. Les filles, vous êtes toutes des reines, même si vous n'avez pas de couronne. Likez, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt. Au revoir. Mes amis, allez-vous retourner à l'école ou avez-vous encore une pause? Écrivez dans les commentaires et mettez vos pouces en l'air si vous voulez avoir une pause sans fin. Et n'oubliez pas de vous abonner.